Bonsoir, monsieur Yannoudi. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous pour cette cinquième édition des Trophées de l'agriculture de Côte d'Or, de remettre ce trophée de l'agriculture de proximité. En même temps, chez vous, chaque caisse locale, finalement, elle est structurée pour travailler avec le monde de l'agriculture. J'allais dire déjà bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de voir une salle aussi aussi remplie, aussi fournie, ça fait vraiment chaud au cœur. Oui, le Crédit Mutuel, il faut juste se rappeler, mais je le dis chaque année, le Crédit Mutuel, c'est une banque qui a été créée par des agriculteurs, pour des agriculteurs, qui s'est ouverte ensuite au grand public. Et pourquoi la proximité? Parce que le Crédit Mutuel réaffirme haut et fort encore aujourd'hui, même dans son plan stratégique, sa proximité par le maintien local d'agences, de caisses locales, dans les territoires. Et en Côte d'Or, nous sommes présents dans toutes les communes de plus de 5000 habitants. Ça, c'est déjà un engagement fort, le mutualisme par la preuve. Et puis, alors, le Crédit Mutuel Bourgogne-Champagne possède une commission agricole qui est présidée par un agriculteur qui est en fait un éleveur de vaches charolaises. Qui est présent ce soir à Paris. Monsieur Alain Dupy, où êtes-vous, monsieur Dupy? Levez-vous quand vous voyez. Il n'est pas là. Il est là. Levez-vous quand vous voit et qu'on vous applaudisse. Voilà. Merci, monsieur Dupy, d'être avec nous ce soir. Eh bien, c'est tout à fait ça, le Crédit Mutuel. Alain Dupy, qui m'a d'ailleurs bien conseillé à l'époque quand j'étais directeur à la Caisse d'Autun, Alain Dupy, il est éleveur de charolais, il est sociétaire au départ de sa Caisse de Crédit Mutuel, il est devenu président de la Caisse de Crédit Mutuel, et puis on avait besoin de lui, donc il est président de la commission agricole Bourgogne-Champagne, et puis il siège bien évidemment à la Caisse agricole du Crédit Mutuel. Donc vous voyez que dans le Crédit Mutuel, la gouvernance, elle est toujours un salarié, un élu. Et évidemment, tout ça, ça fait que vous êtes proche et que vous comprenez évidemment ce monde parfaitement. Complètement. En tout cas, le mieux possible. Complètement, avec des femmes et des hommes, des chargés de clientèle d'affaires spécialisés dans l'agriculture au sein de nos caisses locales. Un pouvoir de délégation important, 90%, voire même 95% des dossiers sont octroyés sur le plan local. Bien évidemment, on a des équipes support, des équipes aux engagements, d'experts au niveau du service commercial qui accompagnent nos équipes de terrain. Bon, vous l'avez écouté, monsieur Yannoudi, il sera au cocktail, hein, donc vous pouvez venir le voir si on a vous des cartes, on a des collègues dans la salle, vous êtes tous bienvenus. Et on a de grandes ambitions sur le marché agricole aussi. Allez, trophée de l'agriculture de proximité. Oui. Le lauréat. Et Cédric Bazin, gérant et exploitant agricole. Monsieur Cédric Bazin, félicitations. Je m'appelle Cédric Bazin, on est sur la commune de La Rochepoux. Je suis installé depuis 2003 sur une exploitation familiale, polyculture, élevage charolais et vignes. J'avais envie, avec la vente directe, de développer l'autonomie de l'exploitation et de s'y retrouver et de mieux valoriser mes produits. On organise un marché à la ferme où on a entre 15 et 30 producteurs et les clients qui viennent pour chercher du détail comme si on allait à la boucherie. Le but, au final, c'est de créer un magasin à la ferme où on pourra retrouver notre viande. Beaucoup de gens nous disent, voilà, les marchés, c'est super bien, on retrouve du lien, on retrouve du local. C'est la plus grosse des récompenses, je pense. Alors Cédric Bazin, il vient d'un village de 270 habitants, et je pense que la moitié du village est là ce soir, puisqu'il a été spécialement, vous avez entendu les cris quand il est monté sur scène. Moi, je n'ai rien entendu. Si, si. Ils sont là. Alors justement, dans ce village, rappelez-nous le nom du village. C'est à La Rochepoux. Au sud de la Côte d'Or. Voilà. Alors, il n'y a pas de commerce, donc vous vous êtes dit, si on faisait un marché. On est dans la vente directe depuis. Mon papa s'était lancé dans la vente directe en 1996. Ça s'est estompé un petit peu au fil des années. Et puis, il y a 5-6 ans, on s'est relancé avec le mode de consommation. On est reparti dans la vente directe. Et avec le Covid, on a eu de la demande sur de la vente au détail. Et du coup, on s'est dit, les clients nous demandant savoir si on allait avoir d'autres produits à la ferme, on a dit pourquoi pas proposer des marchés et ramener de l'activité sur la commune et du lien social et du service. Alors, il n'y a pas que seulement... sur ce marché, on ne trouve pas que votre viande, on trouve d'autres... Non, sur le marché, on compte entre 15 et 30 producteurs et artisans différents qui viennent à chaque fois. Et là, on a fait le 7e marché la semaine dernière.
Et à Noël, un chiffre quand même incroyable de clients pour un village de 270 habitants. À Noël, on avait 30 producteurs et artisans et on a accueilli autour de 330 personnes. 330 personnes qui sont venues manger des bons produits de la ferme. Vous êtes producteur de viande. Est-ce que les habitudes, enfin on le sait, hein, les habitudes des mangeurs de viande changent. Comment vous y adaptez ? On s'est adapté, comme je disais, là, avec l'arrivée du Covid, à proposer du détail pour les gens qui avaient peut-être un petit peu moins de moyens ou des foyers un peu plus petits qui n'avaient plus d'enfants en bas âge. Et pour répondre à toutes les demandes des clients, du coup, on est repassé sur la vente au détail, sur du colis plus petit aussi et sur la possibilité aussi de commander au préalable. Et du coup, le fichier client, il a quand même explosé. Oui, on compte une augmentation de 25% sur l'année dernière. Hey, ça s'applaudit, ça, quand même. Oui, hein. Bravo, Cédric Bazin. Je vous laisse recevoir votre prix. Et nous vous laissons passer tous les deux au photo.